Salut à tous, ici Elbrutus pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente ma base Clash of Clans. Voilà, donc je suis HDV8 pas du tout maxé. C'est des défenses d'HDV6, enfin j'ai des défenses que d'HDV6 bien sûr. Pardon. Donc là on voit que je suis champion. Champion 3. Là j'ai 3257 trophées, j'en avais 3301, mais j'ai perdu 44 trophées. Voilà, vengeance moins 44. Enfin, voilà. Journal de défense moins 44. Et sinon, toutes mes attaques, ça se base là-dessus. Donc on voit, je fais que du snipe d'HDV. Bon, principalement avec mon roi niveau 5, comme ça va plus vite. Mais sinon aussi j'utilise des archers, c'est pareil. Archers qui sont 6. Bon là on voit que je gagne que un trophée, mais des fois bah, j'en gagne 12, j'en gagne pas mal. On va regarder vite fait. Bon là 1, 2, 2, 7, 3, 1, 2, 8, 1, 1. Bon c'est... Ça avance lentement mais sûrement. Donc voilà. Je suis dans un clan. Le clan c'est Gros Engin 974. C'est un clan réunionnais. Bon, moi je suis français, mais bon, voilà. Et voilà, je suis champion. Ah oui, et aussi je voulais demander un truc à tous les youtubeurs ou tous les gens qui regardent des vidéos sur YouTube. Que pensez-vous du snipe d'HDV? Parce que sur le général, je me suis fait insulter sans raison valable. Juste parce que je suis niveau 57, HDV8 pas du tout maxé, et que je suis champion. Alors je sais pas pourquoi il m'insulte, juste parce que je snipe. Ah oui, alors moi, mon truc pour le snipe d'HDV, c'est très 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 rentable, il n'y a plus besoin de farm. Parce que là on voit que je suis full élixir et full élixir noir. Rien qu'en snipant des HDV. On va voir d'ailleurs tout ce que j'ai pillé en élixir noir. Alors, c'est où ça? Case du siècle, volé 250 000 élixirs noirs. J'en ai volé que 25 281 élixirs noirs. Et j'ai mon roi niveau 5. Et en plus, je suis full élixir noir. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de farm grâce au rush. Surtout au snipe d'HDV. Ça coûte vraiment pas cher et c'est rentable. C'est rentable partout. Là on voit, j'ai mes 5 cabanes d'ouvriers grâce à ça. Sinon j'aurais pris plus de temps. Et je suis qu'HDV8, même pas maxé. Donc cette méthode... Ça m'a pris un peu de temps, mais j'y suis arrivé. Au bout de un peu moins d'un mois, j'y suis arrivé. Et puis c'est nickel. On est tranquille, il n'y a plus besoin de faire grand-chose, à part monter les défenses. Bon, les défenses, c'est clair que voilà, je me prends pratiquement des moins 44, moins 30. Là, on voit moins 11, moins 7, moins 23, moins 11. Mais c'est pas grave, il faut avoir de la patience. La patience, ça fait tout. C'est... Voilà. Il faut être patient pour pouvoir rusher. Tout simplement. Donc on va regarder mes défenses. Hein. Je perds énormément. Déjà moins 44 là. Je vais augmenter par 4. On va voir, il prend déjà mon élixir noir. Bon, j'ai mis mon élixir noir parce que je m'en fous. Je suis tout le temps full. Ouais, je sais, la vidéo n'est pas de très bonne qualité, mais bon, je fais comme je peux. Voilà, j'ai pas trouvé de logiciel ou d'application pour capturer en vidéo ça, quoi. Sinon, j'aurais bien fait. J'ai cherché bah, toute une après-midi et j'ai rien trouvé sans router le téléphone, je ne sais quoi. Donc voilà. Et là, bah, moins 44. Voilà. Mais bon, c'est des trucs. Auquel il faut s'attendre quoi.
Voilà, sinon on va regarder une autre attaque aussi. Bon, celle-là. Encore un HDV. Et là, les cochons, ils sont utiles. Bon, là, j'en avais que 3. J'avais pas assez formé de troupes. Mais les 3, ça peut servir pour que les défenses. Les tours de Tesla. Enfin, les Tesla soient aggro sur les cochons. Comme ça, je peux poser mes archers qui snipent l'HDV. Et puis voilà. Je fais souvent ça. Hein. Je forme 10 cochons et le reste en archers. Après, mes rois, enfin mon roi, c'est facultatif. Hein. Il peut toujours servir pour pas se faire, pour pas s'ennuyer quoi. Là, vous voyez, bon, on voit pas combien j'ai gagné en plus, mais je gagne 180 000 de chaque et 1200 élixirs noirs. Et c'est hyper rentable. Alors moi, je vous conseille vivement de le faire. Après, si vous avez quelque chose à dire contre le snipe d'HDV, vous me le dites en commentaire sans insulte ni rien. Et puis voilà. Après, vous faites un débat, c'est vous qui voyez. Bon, bah, c'était tout pour cette vidéo Clash of Clans de ma base. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine et voilà. Bon courage!